Il y a un
Thank you.
Yes, sir.
C'est pas normal ça. Voilà, donc merci beaucoup Mamoui Moussa. Un grand artiste, Mamoui Moussa. Voilà, 150 euros, Jan Touré, 150 euros, on dit Tissoboku Donatou. A Tissoboku, Soboku, c'est un village particulier pour lui. Voilà, à Haritoura et Soboku. Donc Jan Touré, Guillaume Bananani. Merci beaucoup Jan Touré. Merci pour tout ce que tu fais pour le Sénégal. Merci. Voilà, Mare Moura Kouni, assalamu alaikum. Et on a toujours un événement, Soboku, dîner gala caritatif Kébégana et Irigi 2023, a gagné deuxième édition du dîner gala de Soboku. Donc, l'inqui, on a président Adomé, on a été président, donc président de l'organisation. Donc, on a Soboku Nanti et association de Toumiana Nonga. Donc on va tenir présent dans un salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani toni jamu ko noda. Wa alaikum salam rahmatullahi taala wa barakatuh. Ewa président Allah wa andu présenté no danga e am to wa jamu. Alors on ke toni Jibril Tambo saunera nga bakasu boku. Association Kutumi Begeri Lenki yere association Begera Sousara. Ken toni union pour le développement de Soboku UDS. Yo Allah da idoye si président wo Allah da Khalifi Niay kota be ga golengi. Voilà et kiani mare mu khatro ngayi wo sewo ka tv kama ko ka da ko khada mo me sewo ka tv c'est business tv soninke donc odo okir seigneur fe do me sasa ay gani Djibi Tambo saunera ga ba ko da nga soboku ay gani UDS président donc Djibi Tambo saunera en kata man ko no da nga lenki ke événement caritatif bi me khagada de bari lenki soboku to nga ay gani deuxième édition de l'événement soboku. Alors, au Laga Québec, on connaît Nalla Fina Mama, Nalla Mama, Alla Mama Ndempale, Sersu Gerilenki, Sersu Geriere, Nasu Mama, Alla de Nyaugre Hanum Rokebe, Alla de Debero Dangakundunga, Jamangobo, Golden Dagati Moroi, Shroli, Iriti Sembe, Iriti Kitu, Iriti Jiba, Iriti Ngani Mposrega, Alla Mama Ndemba Danomakalenki. Ado soye no nyaralie machallah aywa saunera nawari osot ke mosri bo kada ko yirigi nanti kada temu ya waratadi temu ke gani agani renovation de l'école de Soboku. Voilà en kata man khakuno daga kinga bawo khakun suka fini Soboku école lembenu gabu Soboku l'école de Soboku no goma. Alors temu ko mangaro ko mobe renovation de l'école de Soboku awreni Soboku école nka olaga awa frakhie be ronan gonga pour que beauté n'a pas beaucoup comment gâte mon robe d'une fois sous rangé en tant qu'on a fondamental rangé n'y a nous d'un guinée au gars de bébé et l'inquiète maintenant d'un guinée rangé donc rangé en tant que nos coussous développement de nom au coup comme je fais nos bébés nous l'aurons mon anjo fait nous au monde d'un guide de nom à la gagne des kenya kenya chigi au gré qui est organisé yirgi au gré spécialement il faut qu'on y ait sur le thème de l'école donc au kenya au gré yirgi en calais de bébé Krangé, amour au Makesu, Krangé. Saunera vraiment aussi au ticket Jabine Mosri, Anganati, Krangé, donc on a quatre le Mounouye, ado et Fabrani, parents d'élèves, et Marc-René Namba Katakunkai, Bao Kagana et Kolinkanga, Kagana et Renouve Moromoro, le Mounouya Lin Haran Roma. Donc Marc-René Namba Katal et Kolemoukoua, Yagan élève Nuku, ado parents d'élèves Nukoura, Bao Yan Sikiro le Mounoukoura Baten. Alors, monsieur, si c'est vrai, Krangon et le Mounouya concerné. Mais la responsabilité n'est pas de nous. Parce que nous sommes au Québec, si nous sommes au Tumi, si nous sommes au Québec, nous sommes au Québec. Nous sommes au Québec. Donc la responsabilité n'est pas de nous. Nous sommes au Québec. Nous sommes au responsabilité. La responsabilité est maître. La responsabilité est l'association des parents d'élèves. La responsabilité est le comité de gestion scolaire. La responsabilité est l'autorité. Ikumbega kharange ncheria ni nkutunu iga akongo kebe gankonya na kharange keno gonga donc responsabilité kena so akama parce que kulamnu beno ga mulin kharalenki kumune kumune fala o jomanu to ko kulamnu amaka iga na jofe niveau yoy ila u bakamay khay ga makhra o ga mekhe beno to ko kenya no gona o ga mallanya ga ken
ça on ira toujours dans ma fatemi bawo sa sa oda projection vidéo on fay and ko ni andiga mu ko ngana nanti amma kanya bani nanti na kharamu ko ngani tuga bani na daga na khalsu ngut ina sage donc ken no ko owati ni mani khirna na makata surveiller non kay bawo ikunya kana kharamu ko ko kharu khala mu ko kanu surveiller non ma alors kebe goma ga ko ngo asuda nga ken ni crossi ndenya na maître ni crossi na l'école mu crossi na kharal ken crossi. Un exemple, en 2019, au coût de baisse, beaucoup, au 18 000 euros, au Kenya dépensé, na ekolunga na prantene de bari, na folla kunde bari, na classe ni nombron de bari, na tuani de bari, na na table bani kubo, 18 000 euros. C'est bien que l'on ouvre un MP intara, ça veut dire que l'on a linké kenda. De bien que l'on ouvre, ça veut dire que l'on a linké kenda beda. Donc on a kébé mula, kumé golu koro gana de bari, anang crossi. Ken crossi ndey serebe ga gunna ya xamaka mais surtout kou meni takunte ngaw do bunga o meti me fo de berde xawna mulina fokou fu drogote nga lo juru beni ga o lo xoral ko nga o la ga kou lo jurnu soutini mo o la ga kou mboto soutini mo be pour que kou meni amé ganterni ko wala nya gen gagna ay wa serebe ga ti kharagne anti développement et saunera nawari mo xere bawo et akoy nanti soboku école nga gel 1962 wala 63 62 donc kenga ko ni nanti mali independence ndangi palette sino filli tout à fait donc école les soboku kenga ko ni nanti kharangi nyana debe ken ko nga oda preuve nu ngari deja braki kamaliki et kebe suka ko yere donc ke sunu preuve nyai oda khir suñu me interview donc khir su xoro yogonu e wodi sefe donc ida ko ni nanti de ika fini soboku e kharalle fana nu nye donc sa saunari saunera man khirne nam makata vraiment lemununga lemunu benu igamate ngako golluya ay gani association golluma bawo soboko khakatna golle ndabari association tummi ke golle kundu man khirne kanam makata lemunu benu iganta tengan association golluko bon ngeke khirne begi makaken lemununa raga nanti fabanka ke usua foli fabanka ke igana sigi isigi imadanga igana drogoto drogoto imadanga onumulo faraghi nyana nyengo bangi faraghi namane oga kota be golenki hari shoye pour anan choy foka nankara anakra sirebe galaga shoye ke de berna amugo sire kenkara anakra tebero tebena ngangan ko kebe ngangan ko shodi mutumo ko kebe bo association ka gen kebe c'est du bénévolat c'est vrai fa bangangu leyani mais tu gadin tra batenga atampe nya geben khanketi tu gadin ra batenga tu gadin manne angana shoroku nya khalindi angana khairil mputu kat shoroku allah tu gadike ken khima sirsu lant ken kong. Donc serbeni ganta fedu kunu honga nga kebe kongida ini na kanun ci tili kat fedu kwa ini na kanun ci tili kat fedu kwa nga ta kenya kongida aywa serfu na nyani meda o fabani drogoto o kismani drogoto o kismani khogoni drogoto o kismani kismani drogoto ire de bench gini na toma ka ire de bench gini tan kinoyi o ga drun khod non drogoto on a de beketa lanjigindi on droko to kono se kon de bari mallaga nam ko be on droko to na de beke sigindi bon terni la gare nyani kee donc vraiment association golla maneo khakatu kamugo na makeup me na kat na ke gollo gore de bari association tummi de banen no on merci monsieur Sissawane c'est vrai que c'est une prouesse on appelle ça une prouesse kebe gado de bari me khanwe ado de ben khanwe ado gemme gemme ngant fofu kant tele kané kella tigé be gaire to gadi mek ni sere so me fabanka ke xanu yenya derti o do me famu nangomu o kugre kebero o men xanga khirsentey khirse wuro dun kente o to so na mbana o so na mbana fabanka ke siginde ibe do nganye nganari anga nya saram poso so anga ne ke sire ngolon ke nyawtu e pi o ku o gulnya mo xanga ni kebe ngene khirse nya ngana kebe ko kenyani kente existe no kuma anga na kebe ko ndanari shoronga na wutu ashiro soronga na brei ona utona ro pubelinga ando fofu sunter nanti ngegat kebe khadi nyake nye ando ke ngandar ona pitana ona ndabuno mashallah aywa saunera o so vraiment mo gosri donc ona ti bo khirni lagare kata subu kula munga donc voilà kudona masla ke la kentere khirni lagare kat subu kula munu ngare mamande be ko ke mamande na ado illi ongol nya faban kanda illi o sharano ngare kebe jopo ona ti mandi illi oga mulona kebe togoro mumma ona siren togoro mumma parce que o wala nyagen ni ku gana xempen ku be ku be ni garno fa lena dangoy la compétition elle est à ce niveau là o ku go drogoto nan ci gin ku be
Koubenigarno fallait Ranandangoui, Walla Nyagene Kenya. Toujours le meilleur pour Soboku, toujours le meilleur pour nous-mêmes. Nawari Sawanera, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Sissawane. Merci encore. I'm gonna go to the hospital.
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Parce qu'on a dit que chaque fois on a un micro, on a un artiste, on a agréé sur le monde. Et qui est le client qui est le client qui est le client? Afin d'en prendre le fil à la commande à nous donner. Client 4 CS 937 HL 59. Donc, on a dit que le monde est le monde. Parce que l'artiste, il a dit que le monde est le monde. On a dit que le micro est le monde chaque fois. Vraiment, merci. CS 937 HL 59, s'il vous plaît. Merci. Voilà, Marimou, salam alaikum, Mourakakouni. Toujours, on a Berakore qui a gagné beaucoup dans le Marantiamba, Iberakore. Dîner Gala Caritatif qui a gagné, Irigi, 2023. A gagné deuxième édition. Donc, ça, ce soir, on a gagné, Alimou. Ça, ça, on a gagné, Tanawadome. Donc, on a attendu trop de gens qui ont gagné rapidement. Et, Gidanyarone, salam alaikum. Wa alaykoum salam gidani go amoro nke to gone mare tou ndamune selu nambogu sobo kwa aywa mare mu khanat nanti odo mare tou selu afay domé mare tou selu donc ida koy nanti association tou mena soboku donc anken khane kan association bané présenté né soboku no ko ben kiné association NJSI voilà donc yane porte-parole nga NJSI quoi ya garou nga association nyane d'accord aywa NJS ayagani ya garou association nga et mareto fo ma ay sasakundu donc mareto irigi et association ku tumi yanka fi nek evenement de bare ayagani dine gala qualitatif xada koy nanti xana mulana soboku école nyaay rénové donc lenki xada ki dine no nga man se way nanki xam xal lenki kata ki jama sube gari ke berakam dani go ay xwan ke ke so ali mindanga ona tal alhamdulillah rabbil alamina ona jama tuti goni mama parce que serait ban alante fo dara jama nyaa kapta fo dara len ka susure ke wor ke bara wor o tak la nya fayri go ga de berni donc alhamdoulillah yi gondo ya xare lem len do xrisé o susu ke fina fo de ber domé déjà avant que le col ka ke me se fenga ko ngini nkirati alhamdoulillah parce que sobo ku susu ko ke fini na fo de beré donc a ken khamé me do munyana et c'est quelque chose qui fait vraiment vraiment plaisir quoi voilà Marito vraiment c'est autant que jabine mo xri bo e kam go khane khakatu kam go gay nan katu na mekafu na ke evenement de bar domé bawo association tumbi debi bané no nga vraiment amano sakati yegonati pourquoi khaga association tumbi de bar na khantanya na association bané khasuna ka fina evenement bané de bari an ka tamane khako no danga ke no ko kam ben nati toujours alhamdoulillah parce que fo ana amano quand même amano parce que jamanga na ni no kusu yo gaña na sondo kerente yo na ga dom me kha kame mo susuna li na ko tu ke fini me igondo ya haru na ta sobu bungriti o yugo ku fina parce que yugo kali ka to nanti ay ko sasa on est quand même 2023 21e siècle donc fo sula antenya na ya garem palé quoi donc igondo haru o susuna ke fi on a fo de ber domé kengeni fa bankake donc kenya fa ko gere kende beri ay ko association ko tumi susu donc a soukhri sa president autu geli kamu mawrodu a susu ak fi ne gere golle ke deberi yugu ngere ya xaru ngere lomunu ngere xri su ngere donc ko susu a golle ni et surtout on a kanan ko on a fabe ni wa oni mama parce que yandu ngo da ngake golle ke deber donc du coup on a susu nawari sobo ku ya xare nda xri salem le nda a xri se tout le monde yugondo ya xare a susu na nawari asuro baraja la gana jikento ke ta o isineri inshallah aywa e sado gangalla e bawo anti khasu nakafi khana kat fo de bar ndome ke nyagani fabanka e khada ko nanti rigitte munna école ke rénovation nyakama bo an khakata man kunno e lenki bawo an khabu ko sobo ko école ke no gonyi donc an kharano nga iti angana yagare mbane kharamu na waxa ngara na su kharamu ndi donc man ne khana ngi ngam akata e école lemu ado sarano ado stressu gamula de benan daga kané e kharangen kille kam ma se fe begin ke makanga ko ngidanga c'est que a susuna ndro ko to kharangena parce que stressu tanga kharangen ni misi kharange kharanga na folo man ni nyade barani mula ko tanana ke feya donc kharange surtout ya kharen kharange important na parce que kharange ntunu anta valeur ntunu ange me grand bater comme ken ko tagero ko mobe le ki ko tampan keri makharange de beri ngere fulman ko be de beri idin nafa parce que ngara ga lo ko linkan nga lenki ngo soro ngala inta khanne mu yele semene miro mu nyaga to ko sofon ko ngira ma kha gana nyangere fulman ne ke ken khara toujours ay fo soro no ko stress sun takhara nga ni misin surtout sarana ya garu khana kharo mu ngara
les nyagaru, les nyugo kadi wari nankara. Karangé menta quoi. Karangé menta. Donc, asuna courage ngutu, ina chigi do lomu nungé nankara. Voilà. Aywa, asuna courage ngutu, ina chigi do lomu nungé nankara. Et oganati NJS, NJS ni soboku yagaru kafonye. Mane khirne na mbakati gida nyagaru wado mare nyagaru kubenu iga mare kaso sosu keno konga. Yo kaka mule kana li. Mais toujours, comme j'ai toujours le cérébral et la tête, dans une personne, tu ne peux rien faire. Djamania est important. Donc, il y a des gens qui ont fait 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 des gens. Voilà, ah, donc ouais. Asusuna Liosu, Asu Ton, Osuan, ne se voit pas. Aïe, on a dit, madame Seonera Selou, Nawari, on a dit, oh, Wagakaling, Inch'Allah. Inch'Allah, la Ganabo. Le troisième édition. Voilà, ouais, Asusu Nawari, ni Nautu Geli, président, ni présidente, ni vice-président. Asusu Kamou Maourodou, Asu Drouroto. Donc, ça fait plaisir. Sobokan, toujours. Voilà, la Ganotorodome. Merci. La Ganawagako, Inch'Allah. Amina, amina, merci. Voilà, Kian, merci, Guidanigo. Nous avons besoin de nous.
Aywa Maremu, on a toujours on a CEOka TV akama ay gani le business TV soninke odo gida nyagaru nga domi soboku yagaru voilà ça odo o gida nyagare go domi on a tadi trondi jamu kona gida nyagare salam alaykum aywa trondo jamu khawa jam ni saunera khawa saunera troketi meba khawa samba saunera ah voilà khawa samba saunera agaba ko danga soboku e hawa linki ori soboku dinenga dine gala caritatif donc la evenement nyeme man khana magasa sanako e ke braka ma man soyena magalinki e nyaka ke dange fam franchement soye bedi mara deja na ketchamasu na qui se sont rassemblés na lio evenement ke joye sou mamana. Et voilà, ça y a rien écrit la mouille, mais les ragana et Ogoado, le mounou. Du coup, là, Souma Mana, ils ont tout fait pour que. Ils mettent Yogoni, ils mettent de monter les Kara, ils mettent. Kara, il faut que tu gagnes un Kara, il y a Souyou. Et on essaie. Angé, tu m'as dit Kara. Qui est un Kara? Anna Razouma, tu m'as dit Kara. Tu m'as dit Kara. Mashallah. Ah d'accord. Ok, Hawa Samba Saunera, donc on a le monde qui est en tant que troupe de danse. Et on a un peu dans le monde. On a danse, donc voilà. Pour une démonstration, on a un peu dans le monde. On a un peu dans le monde. On a un peu dans le monde. Je suis un petit peu Il y a une troupe de danse Niaiba ou bien une école de danse Noro ou bien. Quelle troupe pour créer il y a 3 ans. Même une école de danse pour Noro. En fait, Régué Niana et Niigana, au début, l'association qui fait du Noro de Bébé Fana. Il y a une troupe de danse. Peut-être ça va attirer le monde et tout. Mashallah. Ok, est-ce que Karake Troupeau, est-ce qu'il y a beaucoup de tennis, Soninka, Koi, Misale, Association Behajunganei, Kaina, Kakiri, Nanti, on a besoin de troupes de danse de Soboku, Kudon, Nanda, Koi, Venemanga, est-ce qu'il y a aucun de Berni? En fait, Tafana, il y a beaucoup de événements, on a tout pour les gérer. Oui. Quelques temps après, on a proposé une entité, est-ce que Kala est venu régler au événement et on va vous payer. Et voilà. Ok. Corona que fi sobe kuremu Corona que fi onadaga kane Corona que fi gajaga muma Corona que fi onagoli dome Mashallah bravo en tout cas que sugel ngeni Corona que fi Corona medema donc vraiment que sobe kuremu donc on en café on en goli dome gajaga remu onadaga kane. Donc keni sugenye vraiment sugebe e ogat ni sans singai donc hawa e oda wari khari khara sugeta na ko khadi donc e be gamti salam alaykum khay voilà e dandi mayo ah allo si mando dandi mayo khay fonetan
Ok, rapidement, pour la émission de Masala Keta. Dandimayo, ke fureha, dandimayo, fure njofe. Mashallah. Aywa, kiani hawa samba saouni ragaba kodanga soboku, troupe de danse ke i manke nyani. Donc, mani digan lagare namba akata troupe soboku remunuma. Ben, déjà, au gars projet Québec, Québec et école Nkake, j'espère que à la fin quand il noue, au gars école Nkake, Nyamana, Inch'Allah, pour que Namara manque Fofosu, et rare ça, on a aussi nos associations Kumuma, aussi nos Kitinkineme, pour que au gars Télékane. Parce que Harangin Chirenyani, Yagara Hunte, Igua Hunte. Du coup, tout le monde a. Voilà. Tout le monde a le droit d'aller à l'école. Alors, mashallah, tout le monde a le droit d'aller à l'école. Oui, c'est très important. C'est très important. Merci Hawa. Nawari, on était à la gagne de la 3e édition, à gagner 2024. Allah gagne à quoi il y a de la guerre. Merci Sawa. Merci. Maremu aywa oda khakuni toujours na koy nanti ona ke bra khore akama ay gani soboku dalo magantamba evenement khore ke be ganya linki lime brevan donc o fay salbe no nga ay gani boîte de clou boîte à clou voilà odo o mare nyagare go wado me ogida nyagare nyani oro atini directrice de l'école nyani nka ona tani to ni jamunko mogar ro masala no nga gida nyare assalamu alaikum wa alaikum salam mare musoninko rotora suntahai nkeni fatou meindo saunera ngabaka soboku comme tout le monde le sait maintenant enfin en tout cas tous ceux de soboku qui m'écoutent le savent machallah aywa fatou e linki odanga domi soboku e dine galanga anyeme bo sasa anka mani sewena makalenki kebraka man katamani ko nodanga lenki vraiment événement nyembe falle voilà soué que je suis très très heureuse parce que cet événement a rassemblé toute la population de Soboku mais au-delà de la population de Soboku aussi les sympathisants, les amis, les partenaires, tout bah énormément de monde se sont réunis aujourd'hui ce soir ce samedi 21 octobre 2023 à la boîte à clous de Limay Brevan vraiment pour passer un événement festif ensemble mais au-delà de cet événement festif c'est surtout que ça réunit tout le monde autour d'un projet qui est la réhabilitation de notre école du village. Et Fatou, merci beaucoup. Alors bon, là on est arrivé à la fin de cet événement donc cette année, le sujet c'est pour la rénovation de l'école de Soboku. Alors, quelles sont les décisions que vous avez prises après l'événement pour que l'école puisse rénover encore plus? Vous avez la parole, Fatou. Alors, les décisions que nous avons prises, c'est que déjà, nous allons travailler, constituer un petit groupe de travail qui va travailler justement sur la réhabilitation de l'école. Voilà, peut-être faire appel, sûrement même faire appel à un architecte pour nous proposer comment rénover cette école ou éventuellement une extension. Ce que nous souhaiterions faire dans l'idéal, bien sûr, après, ce sont toujours les moyens qui limitent les personnes. Les désirs peuvent être grands, mais après, ce sont les moyens qui les limitent. Notre souhait, en tout cas, ça serait de faire vraiment de créer une BCD, une bibliothèque multimédia. Avec une salle informatique, okay. Un réfectoire, une grande cour de récréation, une salle polyvalente et pourquoi pas des logements de fonction pour les professeurs, les enseignants.
Mashallah. Et Fatou, nous avons remarqué qu'à Sobokou, il y a 6 associations qui sont rassemblées pour célébrer cet événement. Donc, nous, on a remarqué la plupart dans les villages soninké, il n'y a qu'une association qui travaille pour le développement des villages. Mais les 6 associations de Sobokou, ils travaillent tous pour le développement de Sobokou. Comment vous êtes arrivé à ce niveau pour arriver jusqu'à ce niveau? Alors, la première association qui a été créée en France était en 1962, c'est l'association UDS. Voilà, de la génération de mes parents, quand ils sont arrivés dans les années 50-60, même 70 pour certains, ils se sont réunis pour, se sont regroupés autour d'une association pour pouvoir faire des activités dans leur village d'origine, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout dans le village. Okay. Donc c'est grâce à l'effort des ressortissants de Sobokou que ils ont pu petit à petit améliorer la santé, améliorer l'éducation, etc. Et après, ensuite, est née l'association des femmes qui est à côté, la génération de mes mamans, de mes tantes, pour aussi pareil, à côté de leur mari, essayer de regrouper tous les efforts pour pouvoir pareil, améliorer la santé, l'éducation, etc. Voilà, puis après ensuite, la jeune génération est arrivée après. Eux aussi ont voulu se regrouper pour essayer d'appuyer, d'accompagner aussi leurs parents. C'est pour ça que et ainsi vous avez de suite. 6 associations voilà, différentes. Et c'est comme ça que les 6 associations sont nées. En fait, il y a une association mère, ensuite une deuxième association, troisième. Mais toutes les associations œuvrent vraiment dans le même sens. Et là, justement, ça a été vraiment un symbole fort, parce que c'est la deuxième édition que nous faisons ce dîner de gala, enfin ce dîner spectacle. Et à chaque fois, toutes les associations, toutes les forces se regroupent pour pouvoir mener à bien ce projet. Machallah. Et là, voilà. En tout cas, il y a une bonne concurrence à Sobokou, parce qu'à travers ces 6 associations qui sont vraiment bien réunies pour faire un événement comme ça, un dîner caritatif au nom de Sobokou, vraiment ça c'est une réussite totale. Donc Fatou, et quel message ou quel appel donnerez-vous aux jeunes qui ne participent pas aux activités du village ou des associations? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne participent pas, dès qu'on appelle pour venir assister dans les réunions des associations, il y a des jeunes qui refusent, ils ne viennent pas, ils n'assistent pas. Donc, oui. Alors moi j'encourage toute personne vraiment à venir donner un petit peu de son temps. Après c'est vrai que les capacités de tout un chacun diffèrent, les disponibilités de tout un chacun diffèrent, la volonté, la motivation de tout un chacun diffèrent. Mais si tout le monde ne serait-ce que donner une petite demi-journée ou 2 heures de son temps annuel, je pense qu'on pourrait réaliser de grandes choses. Et j'appelle toutes les personnes à venir nous rejoindre, parce que, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde était heureux. Il y a des personnes qui ne se sont pas retrouvées depuis 10 ans. La salle était pleine. Il y a des personnes qui ne s'étaient pas retrouvées depuis 10 ans, qui se sont revues aujourd'hui. Et rien que ça, c'est énorme. Vraiment, en tout cas, bravo à tous les Sobokou. Alors, votre dernier mot pour tous les Sobokois et toutes les Sobokoises. Alors, continuons cette union que nous avons. Et nous avons des compétences dans Sobokou, des talents dans Sobokou. À nous de les développer et de faire en sorte que tous ces talents et toutes ces compétences convergent vers un même sens, un même but, qui est le développement des Sobokois, et pas seulement des Sobokois dans le village, mais de la diaspora sobokoise. Ouais, mashallah. En tout cas, merci Fatou. Ben, je vous en prie. Nous sommes très heureux de vous questionner sur Sewoka TV. Oui. Sewoka TV qui veut dire Sewoyinka, la maison de la joie, une chaîne YouTube pour le Soninko. On appelle aussi autrement Business TV Soninké. Ok, ben merci à Lio aussi pour nous avoir interviewé, pour avoir pris de votre temps pour passer cette soirée avec nous. Merci. Et nous interviewer en amont déjà de cette soirée, tout un chacun venir chez eux, les interviewer, faire les montages vidéo et ensuite refaire ça après la soirée, donc c'est énorme. Donc ça aussi, c'est une preuve que vous aimez les gens de Sobokou. Merci. Et vous aimez Sobokou. Merci à Lio. Merci.
Amoko. Madjum. I anga so ningemu. Antoko. Nala. Tu t'appelles comment? Nala. Lala. Nala. C'est quoi ton nom de famille? Doucouré. Doucouré. Ah, Lala Doucouré. Nala Doucouré. Mashallah. Lala Doucouré, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Là, la soirée est finie, donc alors, toi t'as bien dansé? Non, je n'ai pas dansé. T'as pas dansé? Mais t'as fait quoi? J'ai servi. T'as servi beaucoup de plats? Bah oui, quand même. T'as servi quoi comme plat? J'ai servi du tchèb, oui? Du dégué, wow! Du des pastels. Mashallah. Et moi, j'ai pas vu les dégué, moi, j'ai pas vu les pastels. Ah. Tu m'as oublié? Alors, tu peux dire quel message à tous les enfants tous les enfants de Sokoku? Bah, c'est dommage qu'ils aient pas école comme nous parce que c'est pas juste parce qu'ils ont ils ont des ânes dans leur école. Mashallah. Et ils apprennent pas très bien et en plus leurs profs ils font des fautes d'orthographe donc c'est pas pareil que nous donc bravo, c'est pas équitable. Lala. Alors, t'as quel âge? J'ai 9 ans. Bravo, mashallah. Alors, applaudissez très fort pour Lala. Merci Lala. À la prochaine, à l'année prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, salam alaikum, on est toujours sur COK TV. COK TV, c'est une chaîne YouTube. Bon, dès que vous partez sur YouTube, vous tapez COK, S-E-W-O-K-A. Ok? Voilà. Alors, vous vous appelez comment? Zainab. Hein? Latifa. Zainab? Oui. Anjamou? C'est quoi ton nom de famille? Wadjou. Wadjou? Ah, toi, tu es imam de Sokoku? Ah, c'est toi notre imam? Tu sais, les Wadjou, c'est les imams. C'est papi qui est imam. Mon papi. Ok, non, je te taquine un peu, Zainab. Ok. Alors, ta collègue, elle s'appelle comment? Latifa Wadjou. Hein? Wadjou. Latifa Wadjou. Fatou Wadjou? Latifa Wadjou. Ah, Latifa Wadjou. Mashallah. Alors, Zainab Wadjou, alors, toi aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Ben, que c'était bien, je me suis amusée. On t'entend pas fort, il faut parler fort. Que c'était bien, je me suis amusée. Mashallah. C'est ta première fois de venir à un événement de Sokoku comme ça? Non. C'est la deuxième fois? Oui. L'année dernière, tu étais là? Oui. C'était bien aussi? Oui. Alors aujourd'hui, tu as fait quoi? J'ai fait le service. Ah ouais, tu as servi? Oui. Tu as servi quoi comme plat? Des pastels, du tchèb et du dégué. Mashallah. Alors, donne à Latifa aussi. Alors Latifa, ça se voit que toi, tu parles bien. Hein? Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, j'ai aimé ici. J'ai aimé de venir ici. Mets les micros comme ça. Comme ça on t'entend. J'ai aimé de venir ici. Alors? Parce que bah. T'es déjà parti à Sokoku? À Sokoku? Ouais. Je suis née là-bas donc oui. Ah d'accord. Mashallah. Alors aujourd'hui t'as fait quoi comme travail? Bah j'ai fait le service. T'as servi? Ah bon? Oui. T'as servi quoi? Du dégué et c'est tout. Mashallah. Alors quel message donnerez-vous aux enfants de Sokoku, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui? On donne beaucoup de courage. Ok. Et il faut qu'ils viennent l'année prochaine pour assister à l'événement de Sokoku. Pour venir à, il faut que vous venez ici pour venir à l'événement de Sokoku. Mashallah. Alors vous êtes tous à l'école? Oui. Ah, parce que cette année Sokoku ils ont choisi un thème qui est pour la rénovation de l'école de Sokoku.
Donc, est-ce que vous avez un message à donner aux enfants qui sont au village pour les Soboku? Oui. Les élèves qui sont à Soboku? Oui. Alors, quels sont les messages que vous donnerez aux enfants là-bas? Ben, qu'on est là pour eux, pour leur faire des écoles, gagner de l'argent et puis leur D'accord. envoyer. Mashallah. En tout cas, merci. Merci Zeyna, merci Latifa. De rien. Wadjou, bravo. À l'année prochaine, Inch'Allah. À l'année prochaine. Merci. Assalamu alaikum. Attends, avant de continuer, Pirama, une question de sécurité. Donc, il y a des voitures qui bloquent. Donc, je vais les citer. Il y a la Sandero, blanche, immatriculée GH277FW. S'il vous plaît, allez déplacer votre voiture parce qu'elle bloque. Voilà, sinon, le technicien, il appelle la police municipale et on l'enlève. Hein. Donc, voilà. Ça serait dommage de terminer la soirée comme juste, ça. J'aimerais juste dire un mot. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, je sais, mais je voudrais juste dire un mot par rapport à ça. S'il vous plaît, sur le Congo, faites gué à Lino. Mais avant de l'entendre à Lino, on a dû finir et on a pu éviter. Parce que nous devons couper le souverain, c'est que celle-là, on va y avoir une soupe comme ça, ça. Il faut que tout le monde soit en dégagé. Il faut même dégager les tourisme qui les pensent qu'ils arrivent au fait un bon mois. C'est ça. Au fait un bon mois. Quand tout le monde est déplacé, quand il y a un peu de l'eau, après qu'il y a un peu de l'eau, quand tout le monde est déplacé, quand tout le monde est déplacé. Et pour finalement, il y a un peu de l'eau, parce qu'il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, je pense que tout se passe bien. Donc, au moment où l'on a gagné encore une fois, le tourisme n'a pas arrivé dans l'immobilier, il va arrêter au fait. Voilà, surtout que juste à deux pas, il y a la mairie, il y a un grand parking où il y a beaucoup de places. Et ce sont des places gratuites, vous pouvez vous séparer. Voilà, parking, mais non, la mairie, parking, c'est gratuit. Quand il y a un mobile, il y a un mobile. Quand il y a un mobile, il y a un mobile. Quand il y a un mobile, il y a un mobile déplacé. Donc, je vais dire. D'accord, donc du coup il va. C'est peut-être des voitures. Alors je donne la liste des voitures qui gênent. La Sandero blanche, GH277FW. La Clio grise, BS486PM. La Peugeot 208 noire, CL146QL. Le SUV Hyundai gris, EF099AM. La Peugeot 307 grise, CX446P2. La Golf blanche, ER235AE. Et la Peugeot 2008 grise, FF592VE. S'il vous plaît, allez déplacer vos voitures pour qu'on puisse continuer cette soirée. Voilà, regardez le numéro de source, nous ne pouvons pas tout retourner à la mobile de Mbogono. Parce que nous avons pour ce qui est un anti-mobile, pas tout retour. Voilà, encore une fois, la soirée est belle, donc on aimerait que ça soit encore plus belle. S'il vous plaît, déplacez vos voitures, s'il vous plaît. Il faut les faire bouger, s'il vous plaît. Surtout que la soirée n'est pas terminée, bien. Non, on n'a même pas commencé. Quand tu parles de terminer, on n'a même pas commencé. Et voilà, on va continuer, Fatou, avec le programme de cette soirée qualitative. Voilà, qui a pour but la réhabilitation de l'école de Soboku, il ne faut pas qu'on oublie cela. Voilà, là, l'objectif de cette soirée caritative, c'est la réhabilitation de l'école de Soboku. Ah ouais, et voilà, avant que le défilé commence pas tout, il y a deux personnalités qui sont dans la salle. Oui. Nous devons vraiment leur souhaiter la bienvenue. Alors on a la Miss Mali 2021 ou 2020, qui s'appelle Fatou Toukara. Fatou Toukara. Fatou Toukara, elle est dans la salle. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Voilà, Djibi Pamako Soldat, il est également dans la salle. Djibi Pamako Soldat. Allez, mystère, voilà, voilà les invités. Voilà, merci, on applaudit aussi. Et sa maman. Merci la maman. La maman. Merci la maman d'être là. Ah, allez, merci. Vous. Juste, Birama, une petite intervention parce que de la part du président de Rondega, en la personne de Maurice Batili, qui dit qu'il doit malheureusement nous quitter. Oui. Mmh. Voilà, donc, non, il peut pas, il peut pas. Et voilà, bon, c'est. Non, je sais pas. Voilà, Fatoumala Sissoko a invité donner rien. Donc, à Raya Barakei Klan. Voilà, donc c'est le souvenir de l'invité d'honneur, c'est le souvenir de l'invité qui est en train de lire, 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 qui est en train de lire,
voilà qui a dit au compte au Nyagali, on n'a pas terminé. Non, on n'a pas commencé. Je vais aller voir Djopé maintenant. Ami Djopé maintenant. Voilà, quelqu'un, on va accueillir encore une fois. Salam alaikum. Omar Emou, donc voilà, on va commencer en sonique et après voilà, on va aller en français. Nous sommes sur COK TV, on est avec un frère, donc je veux qu'il se présente rapidement. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous appelez? Je m'appelle Djibi Magassa. Djibi Magassa, vous êtes de quel village? Alors moi je suis de Gemoukouraba, de Karta. Ah, Gemou? Ouais, de Gemoukouraba, de Karta. D'accord. Mais je suis un ami des gens de Sobokou, voilà, je connais beaucoup de personnes de Sobokou. Les Saonera surtout, donc voilà, c'est les personnes... du Magassa, si on dit Magassa, les Magassa c'est les Kagoro. Voilà, alors. C'est les Kagoro. Donc voilà, nous les Kagoro, on est très ouverts, hein, vous savez, nous... C'est les enfants de Sonike ou bien c'est les... Non, c'est les petits-fils de Sonike. Les Sonike sont les enfants des Kagoro, voilà. Alors, donc, Magassa, bon. Et vous êtes venu assister à cet événement de Sobokou qui est le dîner gala caritatif de Sobokou. Alors, exactement. Quel message aussi, qu'est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui à cet événement? En tout cas, c'était un très bel événement. Moi, je suis content. J'étais invité par Rami Sonera et par Marie Tousselou Sonera. Et voilà, c'est des grandes sœurs. Et on se connaît, la famille, on se connaît tous depuis très très longtemps. Mashallah. Donc voilà, c'était moi-même, ma femme, sa grand-mère, elle vient de Sobokou. Ah. Donc voilà, il y a aussi ce lien. Vous êtes de Sobokou aussi. Voilà. Vous êtes Sobokou aussi. Donc voilà, il y a ce lien. Donc voilà, c'était important pour nous d'être présents aujourd'hui parce que c'est un très bel événement. Il y avait énormément de monde. Il y a un vrai projet derrière, il y a un vrai message, donc c'est important de soutenir. Chacun de nous doit contribuer à notre manière. La présence déjà, c'est très important. Après, si on peut contribuer autrement, c'est très bien. Mais voilà, le fait d'être là, de soutenir, de communiquer même pour l'association, ouais. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Parce que voilà, aujourd'hui, quand il y a des projets comme celui-ci, on se doit tous d'être ensemble, on se doit tous de se tenir la main parce que c'est ensemble qu'on va plus vite et plus loin. Donc c'est important qu'on puisse contribuer nous aussi à notre manière. Alors cette année, c'est la deuxième édition de ce dîner gala de Sobokou. La première édition, donc moi j'ai été là. Mais cette année, franchement, donc ils ont fait un effort pour faire la rénovation de l'école de Sobokou. Alors quel message aussi donnerez-vous à tous les villages soniqués de faire ce genre d'exemple à travers leurs écoles? Parce que bon, si on dit un développement, le développement ça ne peut pas faire en tant que l'éducation. Donc, bah, aujourd'hui l'éducation déjà c'est primordial parce que les enfants c'est l'avenir. C'est-à-dire que mettre l'accent dessus là c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, quand on voit le témoignage de Maretou par exemple qui a été élève même dans l'école de Sobokou, c'est important parce qu'elle se doit de donner l'exemple, d'être dire que voilà, nous on est passé par là. C'était pas évident, mais aujourd'hui, nous, on a la chance d'être ici. On a la chance de pouvoir tous se réunir et de pouvoir faire des choses pour notre village là-bas. C'est aussi un message pour dire que bah, on ne les oublie pas. C'est-à-dire que même si on est ici, voilà, on pense quand même à eux. On sait qu'on est garant de leur avenir et de toutes ces choses-là. Donc c'est important. Aujourd'hui, tous les villages doivent avoir cette pensée aussi en arrière, savoir se retourner et dire que voilà, nous on est venus ici, mais aussi on a laissé des gens derrière nous. Et c'est important qu'on puisse aussi contribuer, aider, pour justement les aider à se développer et aussi aider dans des domaines comme l'éducation, parce qu'aujourd'hui l'éducation c'est l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir, rien ne peut se faire sans l'éducation des enfants, parce que c'est eux les leaders de demain. C'est eux qui seront la relève, comme on dit. Donc si on n'investit pas dans l'éducation, bah, c'est comme si on négligeait l'avenir même d'un village. Donc c'est super important de contribuer justement à ces choses-là. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est très honorable, c'est très très noble. Ouais. Moi je soutiens, j'espère que tous les autres villages, nous, moi aussi nous à Gemoukola, on fait la même chose un peu. Et c'est important qu'aujourd'hui que tous les villages, qu'on est ressortissants en France ou à l'étranger, puissent se réunir pour avoir cette pensée aussi au village, dire que voilà, même si on n'est pas là, bah, on a cette pensée, on va contribuer à notre manière, on va faire en sorte d'apporter notre part. Djibi Magassa, vous êtes quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux. Donc comment vous avez trouvé la communauté ou la société soniquée en même temps, la culture soniquée aussi dans la diaspora. Bah moi, les soniquées, ça fait depuis que je suis très très jeune, je suis ancré un peu dedans. Parce que moi-même, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu Soninkara, le site là. Moi-même, j'étais déjà membre dedans, ils m'avaient invité. J'ai travaillé sur l'élection Miss Soniké pendant presque 6 ou 7 ans avec Gouli Soumaré. Et j'ai très, très ancré dans la communauté Soniké parce que autour de moi, il n'y avait que des Soniké. Donc voilà, c'est-à-dire que
Je travaille avec eux sur les événements, sur la communication, sur pas mal de choses. Donc, malgré moi, j'avais mon pied dans la communauté Sonique. Et la communauté Sonique me l'a bien rendu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris. Mes mentors aujourd'hui, ceux qui m'ont poussé à faire ce que je fais aujourd'hui, sont Sonique. Mon mentor principal aujourd'hui, c'est Sadia Jawara, qui est un leader de la diaspora, un leader Sonique aussi. J'ai eu la chance de côtoyer, paix à son âme, Djadje Soumaré, qui était l'ancien président du Haut Conseil des Malins de France, qui était un exemple pour nous, qui à l'époque, j'ai eu de très grandes discussions à lui. Ils font partie des personnes même qui m'ont poussé vraiment à faire des choses, parce qu'on prenait des conseils des anciens, comme on disait. Donc aujourd'hui, voilà, les Sonique ont aussi leur part dans mon propre développement. Donc c'est important de le souligner. Quel message aussi donnerez-vous aux jeunes qui ont quitté les pays d'origine pour venir ici? Bon, à chaque fois, on voyait des conflits entre ces jeunes, donc voilà. Et surtout les mots blédards, voilà. En fait, pour moi, je suis contre justement tous ces faits-là, toi, dire blédard, etc. Parce que voilà, un homme reste un homme, un Sonique reste un Sonique, un humain reste un humain. Aujourd'hui, c'est important de se dire, les vraies questions qu'on doit se poser, c'est comment on va participer et contribuer à l'avenir de notre pays, de notre village, de notre cercle et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avancer le pays. Parce que tout le monde peut crier « je suis fier d'être malien », tout le monde peut crier « Mali puissance ». Mais qu'est-ce que tu fais concrètement, toi? Partir au Mali, jeter ton argent, te montrer, c'est pas ça qui fait avancer le pays. C'est investir, contribuer à des projets, même si c'est un peu. Au moins, tu dis « j'ai contribué, toi ». Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait aujourd'hui par rapport à leur village, chacun met un peu. Mais un peu de tout le monde, ça fait une grande chose, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, ils peuvent se dire que chacun a contribué de sa manière. Et aujourd'hui, on doit avoir cette mentalité en se disant « voilà, nous, nos parents, là, ils ont quitté le Mali, ils sont venus ici, ils ne connaissaient rien. Ils ne parlaient pas français, ils ne connaissaient personne, ils ont sacrifié, ils ont laissé, sans savoir ce qui les attendait, ils sont venus, ils ont construit quelque chose. On leur est redevable. On ne peut pas se dire « oui, on est en France, on s'en fout. » Non, nos parents ont fait un sacrifice. Donc on est redevable de nos parents, c'est-à-dire que nous-mêmes, on doit justement se dire « voilà, ils ont fait ça pour nous, qu'est-ce que nous on fait pour eux ? Qu'est-ce que nous on fait pour ceux qu'ils ont laissé là-bas ?» Parce que demain, moi, un jour, il n'y a pas longtemps, on parlait avec un oncle à moi. Nous, on fait partie de la deuxième génération. Nos parents, c'est la première génération. Mais demain, quand nos parents vont partir, qui va s'occuper des villages? Qui va envoyer? Qui va être là? C'est important de se dire que après ça, c'est quoi la suite, toi? Aujourd'hui, nous, on est là. Mais peu ont cette mentalité de se dire, oui, il y a ma famille derrière aussi. Malheureusement, beaucoup oublient. Et demain, quand les parents vont partir, si nous, on n'est pas là, comment ça va se passer pour eux, tu vois? Vous avez tout à l'heure parlé de la nouvelle génération ou la deuxième génération. Donc, quel dernier mot donnerez-vous à la diaspora et, voilà, et la nouvelle génération qui naîtront et qui vont venir après nous? Voilà. Moi, ce que je veux leur dire, c'est toujours d'avoir un œil tourné vers le pays, toujours avoir un œil tourné vers nos traditions, notre culture, parce que c'est super important. Aujourd'hui, nous, on a de la chance, on a cette double culture française et malienne. C'est une force. C'est une force parce qu'on prend le meilleur des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on prend le meilleur de notre côté malien, le meilleur de notre côté français, ça fait une vraie force. Et ça, c'est un atout qui fait la différence pour moi. Et c'est important que tous les jeunes puissent se dire que j'ai cette force-là et qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, nos petits frères, nos petites sœurs doivent être des exemples plus tard. Nous-mêmes, on doit être des exemples pour eux, mais on veut que nos petits frères, nos petites sœurs puissent avoir de bons métiers, puissent avoir de bons travails, puissent entreprendre et tout, parce que c'est notre avenir. On ne peut pas se dire, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Tout. Non, on est garant de leur avenir. On doit apporter notre part à leur développement, parce que si demain, eux, ils sont bien, ils ont un bon métier, c'est nous tous qui allons en profiter. Donc c'est important que nos petits frères, nos petites sœurs puissent tous se dire que voilà, l'avenir, c'est eux. Et faisons mieux que ce que les autres ont fait. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. En tout cas, merci Dibi Magasa, les petits-fils de Sonique. Donc voilà, même si tu n'es pas d'accord. Donc on te remercie beaucoup. Il y a le cousinage entre nous. Donc j'accepte, il n'y a pas de problème, mais on se sait. Voilà, donc vous êtes sur Sewoka TV. Comme on a dit tout à l'heure, Sewoka, c'est Business TV Sonique. Voilà, c'est une chaîne qui est sur YouTube et Facebook. Ok, bon, en tout cas, bon vent à vous. C'est bien ce que vous faites parce que c'est important qu'il y ait des médias aussi qui relaient certaines informations et qui valorisent ce qui se fait dans notre communauté, qui valorisent des actions comme celle de l'association de Soubeaucoup aujourd'hui, parce que ça va même donner envie aux gens plus tard même de faire la même chose ou de faire mieux. Donc en tout cas, bravo à ce que tu fais. Merci beaucoup. Qu'Allah te facilite la suite. Merci beaucoup, Magasa. Voilà. Assalamu alaikum, à l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, on sera là. Merci. Voilà.
Le secrétaire général, toute sa délégation. Voilà. On va leur laisser la parole. Monsieur le Président, on va vous donner la parole rapidement. Minute par. Alaykoum wa rahmatoullahi. Alors, salam alaikum, salam alaikum. Nous sommes toujours sur Sewoka TV au dîner gala caritatif de Soboko, la deuxième édition 2023. Donc, Mare Mou, au fer, nous sommes tous les gens qui sont là. Donc, Mariam Sakiliba Dambaboula. Mariam Sakiliba Dambaboula, Mashallah. Amba Kamina. Je suis Soboko à Gadjaga, Togonka. Donc Mariam Sakiliba Dambaboula,
donc ngana famu angeni sire ronenye yo sire Mr Mali coup de cœur machallah ndidayani sire sisoko ako woni ya garenya fay inchallah voilà il y a un monsieur là, lui il est tellement pressé de prendre la parole, donc voilà, présentez-vous rapidement monsieur. Je m'appelle Abdou Wadjou, j'habite à Gennevilliers, je suis sur mettre Mkunke. Votre badge de sécurité là donc. Non, sécurité, je l'ai trouvé par terre. Ah, vous n'êtes pas sécurisé? Non, je ne suis pas parti de la sécurité. Non. Alors, vous êtes aujourd'hui à l'événement de Soboko. Là, la soirée est finie. Oui, la soirée. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme travail? Aujourd'hui, comme travail, bah, là, à la fin, il y a eu le rangement. Bah, j'ai aidé les personnels à faire le rangement et tout ça. Et au début, même carrément, je parlais au gris et tout ça. On essayait d'apporter pas mal de choses et tout. C'est toi qui étais le chef de serveur ou quoi? Non, pas réellement, mais. J'étais un dirigeant un peu et tout ça, en mode de, j'aime bien aider les gens, ça veut dire... Répète-moi les noms et prénoms, parce que là, je crois... Moi, je m'appelle Abdou Wadjou. Abdou Wadjou, ah, vous êtes un imam. Oui. Un imam serveur, en même temps. Ah, oh, mashallah. Alors, Abdou, vous avez servi combien de plats aujourd'hui? Au nom de sa mère. Alors, Mariam, ok. Mariam, anti-linki, anke naman gole de bari? Linki, anke de servanti an de bari. Mm-hmm. Ode gandin servandi. Mashallah. Osu. Mm-hmm. Foni irege. Comment on dit servandi à soningi? Ah, ndugu. Kente kentu. I. Fonne. Comment on dit servir au soningi? Non, mais c'est toi qui pose la question. On ne demande pas aux autres. Ntetu. Donc, ode gandin tarandi. Voilà, ode gandin tarandi soro. Voilà, ode gandin kini soro. Yo. Oh. Pastel nino. Mm-hmm. Ode tchebin kini. Mm-hmm. Dégué, ah, mashallah. Asouniere, mashallah. Voilà, Asouigesri, Asouigesri, il dit Norofo, il dit Norompo. Voilà. Ils ont encore. Donc, je vais devoir gérer ce problème encore. J'ai une serveuse et un serveur. Non, je ne suis pas un serveur. Moi, je ne serai jamais un serveur. Mais je dirigeais. T'as pas servi aujourd'hui? Non, je n'ai pas servi, moi. Tu as dirigé le service. J'ai dirigé le service. C'est toi qui as dirigé le service. Exactement, un peu plus. Alors, bah voilà, alors, en vrai, la fête, c'est. L'événement, c'était comment? Parce que la salle était pleine. Franchement, tout à l'heure, je rigolais et tout ça, mais franchement, l'événement, elle était pas mal. J'ai bien aimé l'événement, mais les musiques, ils auraient pu un peu changer. Et malgré que l'événement soit un peu long et en mode, ils criaient beaucoup. Ok. Ça va, c'était bien parce qu'on était en communauté, on était entre nous, il y avait les traditions soninké. D'accord. Et tout ce qu'on aime en vrai. Si, moi, j'aime si bien. Je comprends bien, vous voulez qu'ils mettent, ils font un changement. Ouais, un tout petit peu de nouveau musique et tout ça. Mais sinon, c'était bien. Un peu de la modernisation. Ouais, moderne, exactement. Ah, mais sinon, c'était bien, pas mal en mode. Entre communautés, on est là, soninké, Soboko et tout ça, apporter association et tout ça. C'est-à-dire, vous voulez qu'ils mettent un peu de la nouvelle génération. Ouais, exactement, la nouvelle génération et tout ça, pas l'ancienne, ça y est, l'ancienne. Ouais. La nouvelle génération en avant. Donc et je tout, pense et que la comité de l'organisation, donc voilà, ils vont charger de ça. Et pour ramener l'amélioration de l'année prochaine. Kachiwaga, normalement, voilà. Il est de Berigny. Mm-hmm. Parce que là, l'aime nous. Okumere Gessiri, c'est le griot à des Soronim, Passan de Berry. Okumere Gessiri, il fallait mettre un peu de Sidiki Diabadé, Prince Diallo. Okurana Rege Fonne. Ah, d'accord. Tu vois? Donc, Kiani, le monde de Kébé remarqué, sauf que je pense qu'il est fou. Il voit Terinkanara, il voit Kanabogou. Il voit tout nous. Après, le monde de Kaumoula, Kébé Galingi dans Kéna de Berry. Donc, cette année, ils ont choisi un thème. Comme programme en tant que pour la rénovation de l'école de Soboko, mm-hmm. qui est vraiment une ancienne école depuis après l'indépendance du Mali. Mm-hmm. Donc l'école de Soboko existe. Voilà, donc, on donne la parole à Mariam. Mariam. Mm-hmm. Voilà, Mariam, manque une catamane qu'on a école qui est barée comme moi. École qui est de Mouteleno 2022. Yo enfin école que ola ye nke geri wori oye programme de Berini parce que chez Gebenteno on a tabuling khobo asuna kotirini yagaru yaganudo igo isunari isuna kati kharanya fonne on a khals ogana khalsike kita khalsike fa kesu ogeri kesu de Berini on a khalsike kita on a chefem ning khobo kaye stylo so beaucoup les no irana khara kenya mposu. Donc Maria Mwange de Kenya ko anka mani message na makata lemnu ku benu ga kharana école ke nonga yo lemnu l'école c'est une chance rasu
c'est une chance. Lemnu gebe dunake yemu lanadaga ekolike. Inte kitana rakungeri kita rana profiter. Faut être sérieux. Voilà Kenyani. Voilà. Donc on passe les micros à Wadjou, Abdoulaye Wadjou. Moi les générations. Voilà Abdoulaye. Ouais. Donc toujours ouais. sur les sujets de l'école. Ouais. Alors vous aussi, quel message donnerez-vous aux élèves qui sont moi, à l'école? L'école c'est très très important. Mm-hmm. C'est le savoir. Le savoir c'est très très important. Okay. Dans le monde actuel où on vit, okay. le savoir c'est très important. Et le savoir on l'a où? À l'école. Ouais. Faut pas lâcher l'école, même si parfois ça peut être dur. Oui. Faut pas lâcher l'école. Même moi mon père il était à l'école à Soubouku. Ouais. Il s'en proche, Inch'Allah, tout se passe bien et tout ça. Mais faut vraiment pas lâcher, c'est important l'école. Et là, l'association, on a une grosse association. J'ai vu que la communauté, elle était vraiment très bien. Ouais. Il y avait, tout le monde mettait son rôle dedans, tout le monde mettait son cœur. D'accord. Ça fait que je me dis, on est tous là derrière vous et faut pas lâcher. En tout cas, tout à l'heure, on a parlé avec le président de l'UDES, qui est Djibril Saounera. Il nous a dit qu'il y a des années qui sont passées, ils ont investi 18 millions d'euros, 18 millions pour l'école de Soboku. Donc toujours l'école est en train de, bon, ils sont en train de faire des travaux pour que l'école puisse se rénover, pour qu'ils puissent avoir des bancs, des tables, des trucs pour les élèves qui sont à l'école de Soboku. Donc espérons que ce projet va voir le jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, quel dernier message donnerez-vous aux jeunes qui ne sont pas venus dans cet événement ou dans les associations ou des activités du village de Soboku? En vrai, pour les jeunes, là je parle plus niveau communauté, Soboku, Soubunke et tout ça. Oui. Là, c'est les événements, même moi avant, parfois je n'y allais pas. Je suis parti cette année, j'ai vu comment c'était et tout. Mm-hmm. Franchement, il faut venir, c'est important de participer. On voit les traditions soninké, okay. on comprend bien les choses et tout, c'est très très important. On voit que la famille, c'est pas la famille, c'est la famille, c'est grand. Okay. C'est tout le village, la famille. On vient et c'est merci important. L'imam. Après, tu vas nous faire les doigts. Hein. Alors Mariam, avec Mariam, parce que toujours Mariam, elle parle soninké. Abdoulaye, c'est en français. Asou sobo koukou, ngeti yaranou doigou. Oui. C'est important. Faut onari, mm-hmm. oganari kenyani, oui. duna suna ori, duna sunati, ku soninkoni nani, maliani nani, yefun deberini, gala de charité, khal signerono, keyamposu, onakotu, ribarun deberini, onakotu, ekoli kei me deberini, sobukuna roro, sobukuna na fegebe kita, voilà kenyani. Sobukuna roro, sobukuna fegebe kita, donc kenyani. On va passer les micros à notre imam. L'imam il va nous faire les doigts, attendez, les derniers doigts. Ok, Mariam, merci Abdoulaye et Mariam. Donc, merci. Votre. Les derniers mots, Mariam. Pour voilà. le mot de la fin. Ouais. Moi, je dirais que c'est important, je parle en français, mais c'est important que les enfants, nous, les adolescents d'aujourd'hui, on vienne à ce genre d'événement parce que c'est nous les adultes de demain. C'est nous les adultes de demain. Et c'est grâce à nous que demain, Soboku, ça va devenir quelque chose. Voilà. En tout cas, merci Mariam. Vous êtes sur CEOK TV. Merci alors, beaucoup, CEOK TV. Il faut inviter les gens pour abonner sur CEOK TV. Il n'y a pas de souci. Abonnez-vous. Franchement, mettez la notification, c'est très important, et suivez ce qui se passe, parce que ce qui se passe sur CEOK TV, c'est la réalité, c'est l'avancement du Mali et l'avancement des Soninké. C'est Business TV Soninké. C'est le Business TV Soninké, c'est ça même. En tout cas, bravo, merci Mariam. Merci beaucoup. À la prochaine, à l'année prochaine, Inch'Allah. À l'année prochaine. Merci. Et j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux. Mashallah. Merci. Merci. On a une délégation à Khanam Bissimila. Khan Khima Rosabokwa. On a une délégation à Khan Bissimila. On a une délégation à Khan Bissimila. On a une délégation à Khan Bissimila. On a une délégation à Khan Intérêt collectif, on a une délégation à Khan Bissimila. On a une délégation à Khan Bissimila. On dit que nous sommes en train de faire. Moi, je suis venu filmer. Mais tu n'es qu'un projet qui est venu. Tu n'es qu'un projet qui est venu. Tu racontes ça. En même temps, il y a les micros qui sont à côté. Tu n'es qu'un projet. Parce que quand tu es venu, tu n'es qu'un projet. Non, t'inquiète. Tu n'es qu'un projet. On a un projet. Allah a la première université de Ganyala,
Osulo mununga na ngara no ngono. Vraiment kharo golé, kharo baraje. Et on a le profit en même temps au président Diorouma Larnia ay me mom réparaté. Mais lirgina mu ñari yana. Wala on a kinga sans singo gara na. On a un peu mur ramu ngana ndi xana ki lenk ñu bo. Wala comme mu rolo fone. Wala on a ci na tabani lu ngana. Salam alaykoum wa rahmatoullahi. Voilà demo. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Et on a déjà des bénéfices là. Ken de be ko tayri ni so no wani ni me. Ikibaru na isofo na wati ni la gatte le jongo me. Dula su ya kawne so ko docteur ngano. A ko ta girdangi docteur ka ke obeli gambe kamer so ko ngongo ngono. O su ya kuna di foilo. Ken po ha. A ko de nyanya ko. Ba ona ro san ke nyati tini. Ha akota sere begere ken kota ouli angara surundi akota ke morke bakiliani adi delegation ken dimba ken ngari lengi o khawa ona chili ona ken ko kedana nan tan war ga chamauri to o ke balla gar kine imman ka o ke balla gar kine adan khawa sali ala mo wala o munna diga mun ngi do parce que tamu suka ko ngine re c'est important. Mais seulement, l'ouverture qui a été arrogée trop parce que l'activité de Maman Harry Djoba, donc il y a des gens. Merci beaucoup, Gadjaga. C'est ça, on a des tickets qui ont été en ligne. Au-delà de nous, FSI, qui est une association à Raga Gadjaga, à l'action internationale. Ah, une fédération syndicale internationale. Alors, salam alaikum, nous sommes avec une TikTokaise sobokoise. Oui. C'est ça, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Saounera Mariam. Uh-huh. Et je suis une jeune femme de Soboku. D'accord. Donc, moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Uh-huh. Et aujourd'hui, j'ai été interpellée justement pour un défilé aujourd'hui avec Were Were Baza. Ah, vous avez fait les défilés avec le Wereware? Effectivement, j'ai fait le défilé. Ah ouais. Ouais. Ok. Et non, c'était super bien. Et si on peut contribuer, même avec des petites choses comme ça, c'est parfait. Donc voilà. Alors, comment vous avez trouvé cet événement qui est la deuxième édition de Gala Caritatif de Soboku? Ben, en fait, on a trouvé cet événement justement grâce à notre association NGAS, dont j'en fais partie. Ainsi que toute la famille bien sûr. Donc ils ont organisé ça justement pour le renouvellement de l'école à Soboku qui est très très dégradée en ce moment. Et sincèrement les élèves malheureusement ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Donc ils ont eu justement cette idée de faire un gala de charité pour qu'on puisse venir à leurs besoins. Voilà. Alors, quelles sont vos remarques? Parce que cet événement, c'est la deuxième édition que les Sobokois ils ont organisé cette année. Ils ont choisi un thème en même temps pour la rénovation de l'école de Soboku. Ouais. Donc, quelles sont vos remarques? C'est Awa Saounera? Non, moi, c'est Mariam. Mariam Saounera, oui, Mariam. Ouais, Awa, c'est votre grand sœur. Ouais. Non, c'est ma petite sœur. Ah, ouais, ok, bon. Ok, okay vas-y, non, c'est Mariam. Pas grave. Non, Awa, c'est ma petite sœur. Enfin, la plupart des organisatrices sont mes sœurs. Okay. Comme Aminata aussi, c'est ma sœur. D'accord. Celle qui est à côté de moi, Tigida, c'est ma sœur. Elle ne pas se présenter, mais elle voilà. Est là. Voilà. Après, tous les membres de l'association NGAS, ça reste la famille parce qu'on est tous cousins, cousines. Okay. Et voilà, et ils ont vraiment décidé, et je trouve que c'était quand même une bonne idée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette école a besoin, mais vraiment besoin d'être rénovée au plus vite. Et c'est vous-même, vous êtes déjà partie à Soboku? Oh oui, moi je suis partie à Soboku. Ah ok. J'ai vécu là-bas. D'accord. J'ai plus vécu à Bamako, mais j'ai aussi vécu à Soboku. Okay. Donc je connais très très bien Soboku. Mashallah. Et puis voilà quoi, je me rappelle très très bien de l'école. Moi j'ai pas fait l'école là-bas. Parce que j'étais pas à l'école. Okay. Moi, j'avais fait plus l'école ici, mais j'ai vu un petit peu. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est franchement, c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça. Et on va dire que les élèves seront très très contents.
Et je pense qu'avec ça, ça leur boosterait d'aller un peu plus loin dans leurs études. Voilà. Alors, Mariam Saounera, vous êtes une personnalité sur les réseaux sociaux. Donc tout voilà. À fait. Et quel message donnerez-vous aux élèves qui sont à Soboku là-bas? Parce que si on dit rénover une école, c'est que les gens de ce village, ils aiment bien que leurs enfants apprennent, leurs enfants aller à l'école. Donc voilà, c'est comme s'ils sont déterminés pour l'éducation des enfants. Donc quel message donnerez-vous aux élèves? Moi, ce que j'ai à dire à ces enfants, c'est de persévérer. Voilà, de bien travailler pour avoir un bon résultat, parce que malheureusement, sans le travail, on n'a pas de résultat. Et il faut savoir que c'est pour leur avenir, l'avenir de Soboku, parce que ce seront la nouvelle génération plus tard. Nous, on a relayé nos papas, ainsi que nos mamans. Eux, ils feront de même. Donc du coup, qui persévère, qui travaille, et on verra par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Alors, en tant que membre des NJS, donc, quels seront vos derniers mots pour la nouvelle génération? Alors, pour les derniers mots que je peux dire, c'est vraiment continuons comme ça. Voilà. C'est vrai que souvent, on peut avoir pas vraiment des malentendus, mais des incompréhensions. Mais au fil du temps, on arrive à se comprendre. Donc continuons comme ça, ne laissons pas ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Franchement, les gens qui sont derrière, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont derrière l'association. Moi, sincèrement, j'y suis sur le groupe WhatsApp, mais bon, j'y vais de temps en temps pour avoir des nouvelles, mais pas tous les jours. Mais je sais que certains membres de l'association NJS est vraiment à fond dedans. Et franchement, ça fait du bien parce que ça nous permet à nous aussi, qui n'est pas vraiment dessus, à nous booster, à voir un petit peu la réalité des choses, de ce qui se passe à Soboku. Donc, en tout cas, je leur dis merci. Continuons encore. Et Inch'Allah, on verra pour la prochaine, quoi. En tout cas, Mariam, merci beaucoup. Donc, vous êtes sur COK TV, donc, qui est Business TV Soninké. Donc, nous voulons que vous donniez un message pour nos abonnés aussi et tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube COK TV. Alors, je vais regarder directement sur la caméra. Abonnez-vous pour avoir des nouvelles des villages que vous ne connaissez pas, parce que c'est comme ça qu'on commence à apprendre. Quand on ne sait pas, on demande, et quand on ne sait pas, on vérifie, on s'informe. Voilà, et je vous dis bon courage. Merci Mariam Saounera. De rien. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, pour la troisième édition de l'événement dîner caritatif de Soboku. Que Dieu nous montre ce jour, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi. De coordination entre tout le monde. Voilà. Toutes les personnes.
Voilà, Marimou, salam alaikum. Ora Khassim Mandi toujours nante. On a Sewo Kativi Akama. Donc, au gara qu'on est radangam robei. Donc, faut begani l'enki Sobokunkonga. Il gara événement quoi rekebe debari a gani dîner caritatif de Soboku. Irigini a deuxième éditionné. Donc, au dos Marimou Khoro filo adomé. Nati Marimou mekera gani micro ketin toli rakenga. Ani tourondi jamu ko. Marimou salam alaikum. Alaikum salam. Aywa tourondi jamu. Get tourne Brahma Khujeji saunera nambugu Soboku. Brahma Khujeji saunera nambugu Soboku. Aywa Brahma l'enki ali Soboku da ke événement quoi rei. Donc, encore dani. Mani siwe ki ta ke brakama ande brake wal kambo bo ay lenki wala tigana na mama finanga wala tigen dangem palo waxa kuñi ne xaro xana war xaro baraji xaro dur xote mashallah alla ganna xade ma alla ganna xagolle kay ruwa mashallah wala bo kindangem palo gana tuno suwen kenko ane fama itinya xalinte angana ngana tanay mbenku anga mamulo ndane karnia mashallah wala gana tuno nyaxale ke ko Oland kono na kini kempa ngako. Mashallah. Vraiment ori osho. Ouais. Et puis golle anoka kama. Voilà. Antete le drukote impalé. Mashallah. Arume famille impalé. Mashallah. Donc l'homme nous nyano ita. Angere mugutu debuke. O l'homme nous an. Debuku na l'homme nous kwamaka. On a kulun toko mei. On a kitun kuni mei. On a khasira koke ora. Osho nyabane. Olo no kubane. Olo kubane. Mashallah. Gidenu kuro fa beningere kebere bere kundu kuta. Wacho kwa okwa ani. Donc on a fait nos kitunkunu mais on a debundé nikané. Brama kujé jira kia kono danga on a café on a kitunkunu mais on a debundé nikané. Brama lenki sobokunkunga ida témoin choisi. Ogatini ida fille kore a choisi Kenya gani nanti. Nankatu erenova sonyana soboku école nkanga Kenya gani école kena kurumbanka rundi. Bawa kwe nanti école nga soboku depuis 1962. Bon Mali indépendance muti falle à partir 1960-61. Donc sinophile dangi falle soboku da école nkanga kita. Donc ken école soboku remunya na mbula na sigida batenga na erenove na talam kurumbanka rundi kadi kuro. École que les mounou benouga karega katakarna anga simani simena ma vraiment ke golé kama soboku école gagé kama ouais simé begin kama golu sir sir khor khor khoran parce que duna lenki fumbegero dangindimé kenne kharangé kya duna fumbegero dangindimé kharangé ñani machallah khare khafa golé kébé anga ma kharana tu anga nar wala ntana fam bagandi donc duna me marsé na kharangé ñani bo il faut que on dru khotoro kharangenga telekane mo choix on khara parce que kharange ke banan ka to denne kane machallah voilà o rewori o sara no ngre tampe be o roximan ngre tampe be o kharambala khunyanya sobo bo wa kenga donc o kuketa wa alla gra avantage kinoyi o khaga la il faut que be de berni on en ko dru khotona toujours ge lo khaga me ko tout jofene no khobe o khona ngala kharanga na ndangi no ngamo khobe machallah voilà Eh wa nawari Ibrahima Khujeji donc on a ti marmetana wakara ki on a digamin ki nani toni jamunko donc moga sagar katanga Ibrahima Khujeji Allah micro passe ne marmenga merci voilà marmenga on a tanna assalamu alaikum wa alaikum salam ay wa toni jam inke togo Mamadou Jamu Wadju Mamadou Jamu Wadju imam nuko yiga bungo ma gaire lenki donc Wadju ay wa lenki on a sobo ku bera khore nyakama Aya gani dîner de gala caritatif kebe gagna lenki deuxième édition pour le village de Soboku. Ite association tout mien ka fi lenki na ke golle de bari. Donc en kha mani se wayna ma vraiment lenki ke brakam. Ma famu sire de. Ite mani ñagale na se wayna ma lenki ke brakam. Non, c'est ouais. Si. Ah franchement bon ñagale buru franchement otsi Soboku ko fête gani. Ayro Mali bon tetini Mali mumara. Va dire tous les soninko quoi. Mais anga anga soni kemuko de jafuna ngonguri de kartan ngonguri soko manko mashallah vraiment voilà o tini so beaucoup fait ngane ra ke ayro unification ngane soni karasoni voilà comme les soni kara voilà et linki anga mani digamena maga kata école ke ga kata renovene mo gobe yi donc bawo kenya nya linki masala nginga ay nya programme nga linki so bokku ngo ngada nga ngutu nanti o mulla na demandu kita kudo école ke ga kata demene mo gobe ga kata pour manga ko mo gobe bon franchement ingere wore mo gobe inke me bon ay tung insare yere kha indala karafone de sino tumi me nyano wenge daga so bokku nde école nka ke wore ay roi tampinte nga ya tout vraiment les fatigué bo wacha ke association sirani comme voilà ni me grefu mbe ko tu as ce sazina makata le munu ko soa besu ka katay contribution ka pa golle kay kudo école ke ka katay renover mo gobe bon franchement nga il s'est fait fumbe gimba ba yo suna meni ko faraga fe
avec les associations, tout ça là, on a Ngolinga, on a Koto École, on a Kede Berni Fone, on a Kharamuro Siro Mourou. Voilà, parce que franchement, Kharang est Kemente quoi. Voilà, on a Kharang qui a avancé dans la vie et plein de choses. Alors, les mots de la fin? Le mot de la fin, bon. J'espère que tout le monde a passé une bonne soirée. Franchement, c'est bien amusé. Mais le principe, c'est pour l'école. Donc, si tout le monde peut nous aider à rénover cette école, franchement, ça serait cool. Ça serait bien. Merci, Wadjo. Et c'est pas fini. Voilà. Voilà. Et Andiga Legarunko. Voilà. Toujours, on a raconté, on a mama. Faut que les temps, on a libéré. On a tout, on a comédien, on a tiré, on a tout rompu, bané. Mais on ne peut pas être là. Voilà, on va faire un bras, Voilà, vraiment, on va faire un bras. Parce que quand on a un gol, on va critiquer les deux. Voilà, on va faire un bras. On va faire un bras. Mais on va faire un bras. Parce que on va faire un bras. Donc, on va faire un bras. On va faire un bras. Donc, on va faire un bras. Voilà, on a un bras. On va faire un bras. On va faire un bras. Allah ganna tuma kelmoy amen voilà kanento domé arna waga khalen koy arna waga khalen koy jomdo khira na war jangan kilou saudera waju voilà antirani français bon moi si je vends des poulets à Soboko bon je les vends 8 euros mais il y aurait 1 euro pour l'association donc voilà venez acheter du poulet à Soboko même si vous n'avez pas de famille là-bas achetez on va donner à des familles fatiguées enfin des familles voilà qui sont un peu pauvres. Et voilà, ça contribuerait à l'école qui a son beaucoup. C'est les Sadaqa. Ouais. Voilà, Sadaqa. Merci. Voilà, et à part ça, je voulais dire aussi, bon, moi aussi, je vends des poulets à Soboku. Le poulet, il a 8 euros. Et voilà, ça fait partie d'une association aussi, c'est pour l'école de Soboku. Donc, achetez massivement. Même si vous n'avez pas de famille là-bas, au moins, vous donnez à les familles démunies là-bas. Il n'y a pas de souci, vous m'appelez. Et voilà, j'envoie ça normal. Voilà, un coup j'en kegere comme Robé, à Selungunga gana 8 euros, et pas Selungunga, à Kenselungu, franchement, il t'imménait. Parce que Selungunga, il t'a donné perdu Garoni Maha. Selungunga a 10 euros qui t'a fait, Selungunga a 10 euros qui t'a fait, et ni Bagandi. Amar Kara Moulanga, je suis. Parce que Selungunga, il ne peut tout n'y a qu'il n'y a. Aga, il tout courra pour qu'il y ait un pendant, il y a un chanque Selungunga pétanga. Ha Selungunga a 15 euros qui t'a fait, et ni Gandhi Soronga, Moulan pas, je suis. Il faut Selungunga a 10 euros qui t'a après ni gaga voilà donc à Kenchelungu 45 jours que me timme anti gaga ndenjo pala voilà grande forme donc c'est très important angana selingen gaga na il faut itena chai fetenga grande forme comme ça watena wa seronu kharamaram loka voilà on a selungu gaga on a medema merci beaucoup antira Assalamu alaikum ambalma lamelikela belajelo donc amba belajelo info kafo ambora evenement sa minye suboku kauka e dîner caritatif minkera e nina donc on y a 10e édition et donc suboku kauka evenement a banassan donc c'est ça ambalma de venir refaire ou interviewer donc ana ambalma so de venir refaire mbafaka tona jam fanyana jona donc ambalma so assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ay tooni jam ntoro e tigida saunira mais tama un bangé toré foulé ma tout saunira mais mo robé mo le tigida ori insuré amba fi ma foulé saunira donc foulé ma tout et tigida saunira donc ifana nanani événement nabi yé mou lé yé jatté mené djumené kébi
Voilà, donc ce beaucoup qu'on y a, où y est thème choisi au dé pour que vous sachiez que vous avez école est rénovée. Donc message du même bébé local assez démissionnement. Donc parce que niveau école est rénovée, avait rénové pour que démissionnement les gars s'agacent. Donc message du même bébé local assez ce beaucoup élèvement. Alors message du même bébé local assez ce moment où démissionnement motivé, quand à école là, parce que c'est vrai école en aglan où est-ce mais ni calan quand nous te démissionnons fait là. Atisi ka kekwa mais subugu chamba fo non de meta furu la chamba fo de meta neke u bonu ku don permettre u ba kala ngwa donia don parce que dans les jours à venir ni ma kala amane ron quoi amé wati ne ko du donc école innovation c'est une très très bonne idée parce que école dégradée de nous voilà bon te gagné tablu mai voilà c'est ça nana be de mse nous quand à chemin quoi donc en gros va l'initiative il y en a même permettre la rolfo jo aniga rodon blaka ça kala mashallah en tout cas agne prévu chemin yano parce que soboku ka ou agne ay ka fo école vraiment école nana soboku agne prévu yé parce que halbi agne mo miyé yano donc au lubé exemple nyana mawdi agne mo folo yé minu yéré nana ka fo kubora au lé et soboku école de followé donc vraiment obéir prévu de donc dirais-moi du même bolo message la même du même bolo kala c'est soboku ko beladjé message la même mené bolo kanya c'est soboku ko ma courage ta franchement une initiative in kain parce que généralement ba fogo non état de bi chargé là alors que non ulia initiative ta ulia rebu jonai donc initiative nyana mambali ba nyini duguto fe wa nyona ke pungi ha alna mage ugol domaine wele chaman be adbs bo ufena ngali ayo ambal mabso tigida saunere yana ngi blandi e reklali ga kala na iba fe ga munde ke sobo ku ye ala proje chaman membulu ga nyashi sobo kuma mais perso manga proje personnel yere u teta kala ko mais nga kala me base munu masega kala Mokorobakunda, Kata, voilà les Mokorobakorobate, ou Angamou, Massia Kala, nous de Fera Kala, pour la permettre ou à l'outro Sabenino. Donc, au cours du ma Cambro Black, à cours du mot, je connais. Donc, Tigra Saunera, donc, Kaira, il a Kafoibé, c'est au cativé de Sanfé, donc, enfin, à Kontana Kodjou, Bi, Ani, Ye, Borondo, Kebo, Sobokuka, Ani, Soboka, ni Dine Caritatif Minkera Nina. Donc, comment est-ce que tu as dit Maragakana? Alors, je suis un peu Et on a vu Saunera aussi au Mosri. On a tellement de wagas à l'encontre. Merci Saunera. Allah gana wisante yira. Allah gana fokinya. Allah gana prete fokinya. Ando aulle gana. Dawo no hanale nyana. E pukani ando kono sindini. Ando bitanga. Ando no bulaga. Waju kiani kamera kibe dua argene. Wa debu manti wari manti gadu ana pahanya. Ina takana nawari kacima kauri. Adi jalan nantuna yang khasuma nami toko nami. Atirinke, atirinke, s'il vous plaît. Kari ke publicité pan khagara ko duna sukurum bu nanti jalan iya. Kem pare di baka.
na ujere makara sura muguna di jalani ma ina la nyaga allo no di kani ogara pagan tikeba na ganto tofani na ujere kisani saunera jamani sama kuarna di kani allo ganto tofani musa reme drama kamari kia ni kila dola sakuni jibagate ati na kama mana alla gana ka korum mo xalle ni ngal gana na sama ko dir kane ko boje gana ba mo halal ni na gay ko 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 ci dina ni kana ka bu tanga o e xatu de ni de ni to lo ma yin ci alla ga ko ni o fina ci mo ni alla gana o hu sa ni mo o na gana ya ko mo ni kalam bay ni me ko mo gara yim ti wa du kase Inshallah bismillah Inshallah hadda wadu hadda kono wadu atta demam kuni isuri ko supuro qatiyai irino fo banka ke sibeni ora ni soro no sibino kare o bana fo kofe diga be gi magana ndu ata ye ko ngasi mo kusuda lebe no tse awu mukendo dubilema alla ga nakiri yo suda alla ga no futuro ni ogana kibe mun nalla gana ni mura adna le mun khorum hakle sire be ge alla gana fukka be alla gana khakha ni mun men men ne bakkar furuma ni lema ku be ni takel ni akke dama yi len ke alla gana ni maryam kambe ti fare be ke no sale ra mamadu waju kase wala e keta ana kilim pa duya awani mi tre siki ti pamu sak simare kerni ama moni fini kono ni moni fini kono o jama ke mo ti kuni drama ke story ke story ke to ko la mini ke to ko la mini ona la jeunesse de ce mot oni kuni oni tira oni mama gune akani bani su na anti la ko no ko ki ti se le ko du suru na to apuna na amuru na yamba e o ko de du ma o si ria gel link ma gel na ti i fo de ni su ko fa tu sa mera merci merci sonela toute la jeunesse, toute l'équipe de travail, merci à vous tous. On est fiers de vous. Fierté. C'est soir. De la mère de ton maman. Et l'enquête, vous dites bien une fois. Oui. Vous dites bien. Au son, on est allé. T'as assuré, donne des talents. Fierté, l'enfant de son beaucoup. On est content. Comme on a démarré à la Noël. Toujours en communion, le même objectif. L'objectif commun, la porte au monde. Aujourd'hui, merci la France, merci à tous les parents qui sont venus répondre à notre appel parce que là c'est un véritable soutien. Il y a une personne qui disait il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines de ça, c'est les banniers anti-diorlinotou. Aïe. Voilà, donc il y a une mais particulièrement, ouais, sur la rue Nawarini, Djangia Gorbi, merci beaucoup. On va jouer avec nous, on va tous. On a mangé, on a mis tout le monde qui se commande. Voilà, c'est le soir de la sécurité qui est assurée, parce que c'est pas évident. L'église se réveille, il y a un pot de 600 personnes. Un pot de 600 personnes. Se réveille, il faut que la gêne de Béry. L'antique, il m'a dit qu'il y a un job de 17h. Ma ouga l'air de Gébé. Franchement, merci beaucoup. Merci. Boribé, Nawari. Voilà, Andes Nantoué et Mbana. Ande Bana Hungol de Béry. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a sous Kouni. Faut sous la sécurité. Nibé Torondou. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et. Allez, on peut les applaudir. Allez, on va la Goribé, merci beaucoup. Ouais. Oui, ici Nandou. 50 euros. Voilà. Ah, merci, ça vous n'est pas. Voilà, Uri Sinandou dit qu'on est 50 euros. Nandou n'a même pas de matin.
Voilà, 50 euros. Mori Diaw. Voilà, merci la sécurité, vraiment, merci. Et Kenan Dangui Fatou. Oui. On va aussi remercier les cuisiniers. Les cuisiniers. Les cuisiniers. La de Sobokou. Voilà, les cuisiniers de Sobokou. Rapidement, s'il vous plaît. Les cuisiniers. Les marmites de Sobokou. Oui, rien de il y avait l'équipe en cuisine, mais il y avait toutes les femmes qui ont voilà, préparé. Voilà, les femmes, les hommes. C'est la soirée de la cuisine qui a assuré. Ami Traoré qui a préparé avec tous ses amis son équipe le chef. Il y avait Hawadibi qui a préparé avec ses amis aussi le dégué. Voilà. Il y avait Bayassa qui a préparé avec ses soeurs, toutes ses soeurs et ses voilà, amis. Tout le monde a contribué. Le jus de bissap, le jus de gingembre. Ouais. Voilà, donc il y avait toutes ces femmes derrière. Fatou, on te remercie aussi particulièrement pour ta belle présentation ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, le public est très content, le public est ravi de cette belle présentation que tu as faite. Et je suis fière aussi d'avoir voilà. présenté cette soirée à tes côtés, Birama, parce que toi, tu es un vrai journaliste. Voilà, et effectivement, on salue tous les serveurs voilà, qui sont vraiment habillés ici, vous le voyez, en Bogolan. Et tous les caissiers, voilà, grâce à eux, on a pu vendre c'était l'équipe des serveurs, venez qu'on vous acclame. Voilà, c'était guichet fermé. L'équipe des serveurs, les serveuses, la cuisine, venez voilà. parce que... Venez, on va prendre voilà, une photo. On vous remercie parce que c'est pas simple. On va remercier également. Combien de repas, combien d'entrées, combien de plats, combien de desserts, les boissons, surveiller qui n'a pas mangé, pas tout, etc. C'était pas tout. Une masse on va, on va remercier encore une fois notre artiste. Oui. La billetterie aussi, parce que... On remercie Mori Diaw, Ousmane Selou, voilà, Brahma Sissoko, tout le monde, voilà, Maman Marietou Selou, tout le monde. Les, voilà, toute les danseuses, là, les danseuses, les Dalo Maradja, voilà, les danseurs, qui ont la décoration, les filles de la décoration, la décoration, qui ont mis la danse, le chant, tout le monde. La danse. Et notre artiste, voilà, Maman Moussaba, n'oubliez pas le 11 novembre, une prime date à retenir. Et puis, Werewere Bazan qui nous a fait une prestation voilà, quand même. Ces filles, c'est voilà. C'était magnifique. Venez. Voilà. Applaudissez pour Nala. Applaudissez pour cette fille. Applaudissez s'il vous plaît. Nala et Zeynep, voilà. Voilà, elles sont toutes belles. Voilà. Vous êtes contents? Oui. Bravo en tout cas, bravo. 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 Bravo, maman. Et voilà, donc c'est bien passé. Donc on remercie encore une fois tous les artistes qui sont présents ici dans cette salle. Oui. Voilà. On a la Srapoula et Kouni, Ntimemara, Asson Kourmbanga Magre, Brahma Menozou, Kengene Kangaya Kinanga, Oule Gumbo. Voilà. Mais est-ce que les serveurs, vous voulez dire un mot? Enfin, le responsable des serveurs? Voilà, je remercie. Vous... Bon, c'est bon. Allez, dis. Bon, salam alaikum tout le monde. On aura soukouno le rasko soukanta. C'est le jour qui a gagné l'air. On a soukouno la soukanta. On a gagné la canoë, on a gagné la canoë, on a gagné la canoë. 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 On a gagné Alors, salam alaikum, nous sommes avec Mister Mali, les candidats de Mister Mali. Donc, présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Sissoko Siré, le coup de cœur Mister Mali 2023. Ce soir, je suis très honoré de représenter le village de Sobokou, mon village natal. Et je voulais vous faire passer un message pour toutes les personnes qui ont pu venir aujourd'hui. On vous remercie parce que grâce à vous, nous allons pouvoir réhabiliter notre école de Sobokou. Et je souhaite aussi remercier les mamans qui ont été très très courageuses, qui se sont déplacées, qui ont fait de nombreuses réunions. Pendant toute l'année pour ce magnifique projet. Je tiens à les remercier et je les encourage encore pour faire meilleur. Alors Siré, ce dîner, c'est la deuxième édition
Oui, exactement. Et, de Soboku. C'est la deuxième dîner caritative de Soboku. Donc cette année, les Sobokois, ils ont choisi un thème en tant que rénovation de l'école de Soboku. Alors, quel message donnerez-vous à toutes ces personnes qui voulaient contribuer pour la rénovation de l'école de Soboku? Franchement, une école, c'est très très important. Nous ici, on a la chance d'avoir des écoles. On a la chance d'avoir des écoles, apprendre un métier. Et au village, ils peuvent pas apprendre ça. Il y a beaucoup de gens inalphabètes. Il y a beaucoup d'inalphabétisme là-bas. Et c'est très important de d'aller à l'école. Donc ce soir. Nous sommes très contents d'avoir d'avoir choisi ce thème, la réhabilitation de l'école. En tout cas, mashallah, et ce soir, on a vu la salle était pleine. Donc, il y avait beaucoup de gens. Les gens venaient partout, des Guilimara, des Gadjaga, des Soroma, des Diafounou. Donc, vous avez vu vraiment, et les Soboka, ils ont fait un effort pour que cet événement puisse... passé comme il voulait, donc l'événement est très bien passé. Alors, vous, en tant que les jeunes qui sont nés en France, donc comment vous voyez ce genre d'événement que les villages organisent en France ici? Franchement, c'est un très bon événement parce que on peut tous se mélanger entre nous, apprendre nos cultures, nos traditions. Parce que ce soir, il y avait de la comédie. De la comédie malienne, de la danse traditionnelle, ouais. Plein de trucs, et c'est très important. Il y avait des paroliers aussi qui étaient présents. Voilà, exactement, il y avait de très bons artistes ouais. Maliens aussi, et ouais. C'est très important. Cette année, on s'est arrêté qu'au Mali, mais l'année prochaine, pourquoi pas inviter beaucoup plus de personnes de l'Afrique entière. Et voilà, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils viennent voir nos cultures et nos traditions. Tout à l'heure, j'ai interviewé des jeunes, des enfants, et qui nous ont dit que donc voilà, et ils ont vu qu'il y a un seul artiste qui est venu donc dans la tradition, donc et ils voulaient la modernisation pour que voilà l'année prochaine puisse être modernisée plus que cette année. Est-ce que c'est votre souhait aussi que vous venez voir encore d'autres artistes? Franchement. Les artistes, peu importe, mais c'est vrai que s'ils peuvent ramener un peu un autre artiste... Comme qui ce serait bien un autre artiste. Vous voulez voir quel artiste? Donc voilà, si vous dites le nom de l'artiste, donc ils vont ramener. Voilà, faut avoir les moyens. Ah ouais. C'est-à-dire, je ne veux pas dire n'importe quel artiste. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, ok, le Soboka, vous avez entendu. Donc Siré Sissoko, lui, il a dit le nom de son artiste. Il voulait que vous ramenez Sidiki Diabaté pour l'édition, troisième édition. Voilà, la troisième édition. Mais franchement, courage aux mamans et toutes les personnes qui font partie de cette association, parce que c'est vraiment un très bon travail qu'ils ont fait depuis que moi, je suis petit. Mashallah. Ma mère est dans l'association. Ouais. Ils ont commencé d'abord à Gennevilliers. Ils ont fait pas des dîners spectacles, mais des fêtes. Ils ont fait des fêtes. Et franchement, regardez, 10 ans après, ouais. Ils sont là, ils font des dîners spectacles. Mashallah. Grosse force à eux. Et merci. Je les encourage encore. Alors, les mots de fin, Cyril, rapidement. Le mot de fin, Soboku, c'est une grande famille, Soboku puissance. Mashallah, merci beaucoup. De rien. À l'année prochaine, Inch'Allah. À l'année prochaine, merci. Au revoir. Donc, Fatou, je pense qu'il est temps de dire au revoir au public. Oui, il est temps de se quitter. N'oubliez pas aussi que ça concerne le comité d'organisation. Voilà, il y a du travail à faire. Faut pas que vous arrêtez les talents. Ça va être une rencontre annuelle maintenant. Oui, rendez-vous est pris l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc pour une autre édition. Voilà, édition, Inch'Allah. J'espère qu'on va passer ensemble. Voilà, qu'est-ce que on a, Fatouma, on va dire au public. Voilà. Voilà, et ça, c'est que on a parce que surtout, micro, à mon côté.
oye mula na mikro ke kini seregebe ala chepe metanga katinda nga olande ziki olande mikro kina soa avec tout olande serero kayeni donc kenya ni ona yambe mura kasusumaga je pense que la fête a été belle donc on a dit tata na isha Allah Allah gana wanga kale koi jokdogere. Voilà, pas tout, c'est ce que je voulais dire. Bah, j'espère que vous avez passé une excellente soirée et puis on va se quitter là. Voilà. Alors, tous ceux qui peuvent aider à ranger, parce qu'il y a énormément de choses à ranger dans la classe. Voilà, dans donc la rendez-vous est pris l'année prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Voilà. Vive Sobaku, vive l'école de Sobaku. Bravo à vous. Bravo, merci.